Alors, les Jeux olympiques d'hiver ou d'été, c'est parmi les plus grandes manifestations qui peuvent être organisées avec la Coupe du monde de football. C'est plus d'une centaine de pays pour les Jeux d'hiver qui viennent dans un territoire, à savoir le Valais et la Suisse. Ce sont les infrastructures existantes, pas seulement les infrastructures sportives, c'est aussi toutes les infrastructures générales, les autoroutes, les aéroports, le train, bien entendu, qui sera utilisé pour les spectateurs. Elles seront très importantes avant et pendant les Jeux. Il y a un impact économique très important et des emplois à la clé. Après, l'organisation est terminée et ça dépend un petit peu de ce que font les acteurs du tourisme, par exemple, pour attirer des touristes. Il n'y aura pas de miracle automatiquement. Ça va permettre à la région de se mettre sur la carte du monde. Ce sera une occasion d'être exposé à plus de 2-3 milliards de téléspectateurs.